Et on rentre au pied du mur, on est presque toujours super excité juste d'entrer dans la voie. On a déjà fait deux voies de qualif et une voie de demi-finale. On est dans les top 8, on peut être sur le podium, on peut gagner et il y a juste une voie entre nous et cette médaille. Moi je pense que ceux qui sont capables de plus facilement gagner que les autres, on va dire entre guillemets, hein, c'est ceux qui aiment ce jeu, qui aiment jouer, qui aiment la pression positive, le public au pied de la voie, qui savent qu'il y a de l'enjeu. Quand tout se passe bien dans une voie de finale, c'est bon signe. C'est agréable parce que du coup c'est toujours plus sympa de pouvoir développer ta grimpe et te sentir bien. Mais du coup quand ça se passe bien, il faut. Pareil, c'est à double tranchant. Parce qu'il y a un côté où tu dis bah, si toutes les voies sont dures pour tout le monde, elles peuvent être aussi faciles pour tout le monde. Donc si je suis bien, les autres seront sûrement bien aussi. Automatisme, faire son job, ça veut dire mettre en application concrètement le jour J tout ce qu'ils ont mis en œuvre pendant les mois et les mois d'entraînement. Il faut savoir que pour la première étape de la Coupe du Monde qui est Chamonix, il y a 8 mois de préparation avant. Donc 8 mois de préparation où on va développer le physique, les qualités mentales, techniques, hein, de manière basique on va dire. Et puis petit à petit, on va répéter les mises en situation pour que le jour J, il soit prêt. Donc en gros, eux, leur job, ils vont être face à un jeu, donc le jeu ça va être une voie et il va falloir qu'ils acceptent le jeu, qu'ils prennent assez de risques pour, ils seront 8 en finale, donc les compteurs sont remis à zéro par rapport à tout ce qui s'est passé avant, donc déjà il faut faire le deuil de ça et après ils savent qu'ils peuvent être les 8 finalistes, premier à 8e, donc ceux qui vont, je veux dire, prendre un maximum de risques et faire simplement le job sans surjouer leur escalade, sans essayer de faire n'importe quoi, de griller de l'énergie bêtement, eh ben ces gens-là auront plus de chances possibles de monter sur le podium et de gagner. Ce qu'on peut retenir là des phases finales, en tout cas, c'est forcément la perte de Bassa très rapidement dans la compétition sur les huitièmes de finale.
Il était très très bien placé, il était deuxième des qualifs, il tombait donc contre le 15e. Malheureusement, il n'envoie pas assez fort en fait sur le départ et du coup, il n'arrive pas bien placé sur la prise de pied sur laquelle il zip là. Donc ça, c'est vraiment la déception parce que du coup, Bassa est en forme. Il l'a montré sur les qualifications en faisant deuxième. Mais bon, c'est aussi le jeu de la vitesse. Il faut arriver à être bien placé au bon moment, au bon endroit, et c'est pas forcément évident. La preuve, c'est que, à contrario, Anouk, qui finit première des qualifications, elle a réussi à garder sa place et à enchaîner tour après tour et jusqu'à la victoire finale. Donc, c'est plutôt une très très bonne chose pour Anouk. Oui, bah c'est sûr que depuis l'année dernière, j'avais pas gagné de compétition puisque le début de saison là, c'était pas très bien passé. J'avais gagné l'année dernière à Chamonix, c'était un très bon souvenir, donc forcément je rêvais de refaire la même chose, mais bon, c'était vraiment pas gagné d'avance. Là, dès les qualifications, il y a Kaplina, donc celle qui a le record du monde actuel, qui s'est fait sortir. Du coup, bah, théoriquement, j'étais celle qui était la plus rapide, mais après, il n'y avait rien qui était fait, donc à la fois, je me projetais pour me dire « Ah, il y a moyen », mais en même temps, il fallait se concentrer et faire les duels les uns après les autres, donc c'était vraiment pas facile à gérer. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à gagner hier.